Revenons sur notre écriture d'introduction. Matthieu 24. Le verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Sont des instructions claires. Ni maagizo yako wazi. Il y a eu une exhortation à la vigilance. Bari tuonya tupate kutusupoke. C'est pourquoi vous aussi. Nani pia. Tenez-vous prêts. Muwe tayari. Le Seigneur est clair. Bwana yako wazi. Quand il reviendra, wakati atarudi, il ne prendra que ceux qui seront prêts. Atachukua tu pale batakuwa tayari. Jésus ne vient pas prendre les pasteurs, les anciens. Non. Yesu ashikwa kuchukua baze, pastori, apana. Ou l'assemblée, ou voilà le makutano yote muzima apana. C'est bon, vous tenez-vous prêts. Joko mana mwe muwe tayari. Prêt. C'est ça notre objectif final. Joki fukuzio kietu kya mwisho. Nous venons ici chaque jour. Tunakuja hapa kila siku. On fait des sacrifices. Tunajitolea. Mais la finalité. Lakini mwisho wa byote. Qu'on soit prêt pour le retour du Seigneur. Qui tenez-vous prêt? On accepte tout. À cause de ce grand rendez-vous. Dans les dominations, on peut lire la même écriture. Combien sont plus capables de comprendre le sens exact de ce mot? Mais nous, nous avons la formule exacte. Tu vois, Satan est rusé. Même dans ce message, j'ai connu un frère quelque part. Un fanatisme avec. Et qu'on a upendelevu au pofu. Un excès de zèle. Et qu'on a bidi à kupita. Quand il a fait une prédication. Wakati yeko na fata ubi maubiri. Ses mâchoires bougeaient comme s'il mangeait quelque chose. Kinyo yake kirianza kutenga kusa yeko na kula kintu fulani. Dit je mange la parole. Asa diko na kula neno. Ça c'est charnel. Ili bia kimwili bile. La parole entre par l'oreille. Neno ningiaka kulisikio. Pas par la bouche. Apana kukinywa. Si vous entendez sa voix. Ukisikia sauti yake. Non, durcis pas votre cœur. Usifanye moyo wako mgumu. Il ouvrait grandement sa bouche. Yeye ulitoka anaanza kufungula sana kinywa. Je mange la parole. Niko nakula neno. Pendant si d'une heure, pendant kama, une heure. Kama mahubiri, mataubiri musa moja, eko natengisha kichwa musa moja, niko nakula neno. Et aujourd'hui, il est dans des fausses doctrines. Leo kwa mafundisho ya bongo. Oui. Unaona? Soyez vigilant. Mupate kukesha. Soyez ferme. Mushimame imara. Tu fais moi je suis ferme moi. Ndugu misho shimama imara mie. Ce n'est pas ça. Aina vile. Un homme ferme. Muto shimama imara. Quand il voit ce que Dieu a dit. Akione kile mambo ile Mungu anasema, anadikobeka na difunga kwa ile neno. Il ne peut pas bouger, c'est que tenka. Même s'il doit rester seul avec ça, il restera avec ça. Kama tabakia vile atabakia paka pale. Ce ne sont pas des chantages. Être prêt, c'est quoi? On nous a instruits de différentes manières. Il y a un lieu de rendez-vous pour attendre le Seigneur. Il faut atteindre ce lieu-là. Que nous appelons le baptême du Saint-Esprit.
Là, on est prêt pour le retour du Seigneur. Ukifika pale huko tayari ndio kurudi kwa Bwana. Mourez étant dans le baptême de l'esprit. Mukufwe baye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Là, vous aurez droit à la première résurrection. Pale kuna halali ya ufufuko wa kwanza. Tous les frères qui nous ont précédés. Pale bandu washa tutangulia. Si pendant leur vie n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'y aura pas de première résurrection pour eux. Peut-être ils seront récupérés après le jugement du trône blanc. C'est ça, être prêt. Personne ne sera enlevé en tant que pasteur. En tant qu'ancien pastori, diacre, ministre, Shemashi, ça n'existe pas. C'est le signe que Dieu exige. Même le message de l'heure enseigne à appliquer les signes. C'est ça la finalité. C'est ça l'objectif. J'aime que vous fassiez très attention. C'est le but pour lequel vous venez ici. Tout ce que vous faites, la finalité c'est ça. Vous aussi tenez-vous prêts. On ne nous a jamais dit notre église sera enlevée. Non. Et dans tout rassemblement, ou dans chaque église, vous avez les trois sortes de croyants. Il y a des vrais croyants, des hommes et des femmes, sérieux avec les choses de Dieu, qui ont investi leur vie dans le royaume. Nous avons aussi des semi-croyants. Un pied dans la parole, un pied dans le monde. Il y a des incrédules qui sont des païens. De deux côtés, sœurs et frères. Il y a des voleurs qui volent des choses, ce sont des païens. Il est païen. Au lieu d'aller voler au marché, ils sont ici. Ils chantent avec nous. Ils sont avec nous. Mais des païens 100%. Apocalypse 19. Réjouissons-nous. Soyons dans la grâce. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse se prépare. L'épouse se prépare. L'épouse va dans la distraction. Pour l'épouse, c'est un temps sérieux de préparation. L'épouse écoute les instructions. Et l'épouse met ces instructions-là en pratique. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est-à-dire, la question que chacun devrait se poser. Jésus revient. Serais-je prêt? Seras-tu prêt? Serais-je prêt? Si je suis prêt, il me prendra. Mais si je ne suis pas prêt, je veux rester. Il ne faut pas poser cette question à votre femme. Serais-je prêt? Ai-je atteint le lieu du rendez-vous? C'est ça le travail des prédicateurs. Amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné le chemin.
Il a simplifié les choses. Les expériences du salut se passent pendant la prédication. Quand Dieu instruit son peuple, quelqu'un peut venir ici, un païen, en écoutant la parole de Dieu, Dieu touche son cœur, il se repent et il fait l'expérience de la justification. Pas dans la prédication, pas à la maison. Tout ce que Dieu a fait pour nous, nous expérimentons cela par la voie de la prédication. Il est très important de venir écouter la parole de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle du salut, c'est qu'il veut sauver. Dis aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est par la voie de la prédication. Quand la prédication est biaisée, mais les gens ne feront aucune expérience du salut. Et nous savons aujourd'hui, la justification c'est facile. Mais il y a une étape qui pose des problèmes. C'est l'étape de la sanctification. Parce que Dieu ordonne. Dieu commande. Quand vous obéissez, c'est ça votre sanctification. Quand vous n'obéissez pas, vous annulez la chose. C'est là où il y a les problèmes. Il y a eu des prédicateurs qui ont conduit les gens au péché. Une fille vient vierge dans l'église. Mais on l'abîme. Parfois c'est un prédicateur qui a fait ça. Si vous comprenez. Quelqu'un dans le monde ne buvait pas. Avec le message, il devient ivrogne. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Prenons une écriture. Hébreux chapitre 12. Le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Darby écrit, poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère Franck dit, c'est une affaire à prendre au sérieux. C'est dans son livre, le christianisme traditionnel. Vous avez ces livres. Vous pouvez lire lentement à la maison. Depuis la page 137. C'est une affaire à prendre au sérieux. Il est dit ici de ceux qui ont cru.
qui ont été justifiés, régénérés, et qui sont nés de nouveau, que sans la sanctification, ils ne verront pas le Seigneur. Cela signifie que sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection, qu'ils ne seront pas transmués et enlevés pour avoir part au de l'agneau. C'est justement cela le but de tous les efforts de croyants. Ils aimeraient le voir. Nous, on a un problème que les autres n'ont pas. Nous voulons voir le Seigneur. Mais il faut passer par la sanctification. Ne touchez pas ce qui est impur. C'est alors que je vous accueillerai. Ne touchez pas. Quand Dieu dit que c'est impur, ne faut pas toucher. Mais si nous sommes têtus, nous dérangeons tout nous-mêmes. Poursuivez la paix. Vous savez, le vrai fils de Dieu, les élus, sont des enfants de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils du Très-Haut. Regarde d'abord dans ta famille. Tu n'es pas un homme de paix. Conflictuel. Si nous allons dans la famille, tu nous dis, ah, oui, c'est on demande. Oui, comme nous sommes bien, on a mis dans le bio. C'est le enlevé, je serai aussi enlevé. Un faux témoignage. Ou n'aouchouda wa bongo, yamubaya. Ce n'est pas juste. Aïna mouzuri. C'est quand même grave. Na yenye, yenye kwa atari, même parmi nous, ata kat kati yetu, nous avons des frères tukula banduku, et des sœurs badada, conflictuels. Beko ba mafitina. C'est une vie. Ni ma, ina kwa maisha yabo. C'est une vie. Mafitina ina kwa jo maisha yabo. Et vous attendez juste avec ça. Na muna mchunga Yesu na ile maisha vile. Est-ce que c'est pour vous séduit? Ne voyez pas que vous êtes séduit. Tu connais ton cœur. Tu es avec tel frère, telle sœur. Conflit, non. Apana. Ce n'est pas juste. Soyez un peu avec tous les hommes. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Recherchez la paix. Et suivez la paix. Même un couple, frère, nasse, avant de salama, comment est-ce que vous attendez Jésus? Vous serez déçus. Comment est-ce que vous priez? C'est la prière des insensés. Le Seigneur dit, si vous voulez donner votre offrande, tu te rappelles, vous avez un dossier, arrête d'abord, va arranger. Tu as injuré la femme, tu l'as lu, tu as le courage de prier. Insensé. Insensé. Des gens conflictuels. Si ici sur terre vous êtes en conflit, soyez sûr que vous ne serez pas de l'autre côté. Parce que vous allez amener du trouble là-bas. Ici vous ne vous entendez pas. Seulement au ciel? Non. Poursuivez la paix. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. C'est la vie du croyant. Regardez parmi vous. Des problèmes sans fin. La Bible a raison.
Biblia iko na sheria. C'est par orgueil. Ni kwa kiburi. Connexion de querelle. Jo kunaanzisha ma makelele. Makelele ni orgueil seulement. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est par orgueil que vous excitez des querelles. Mais qu'il nous Christ en query. Prend le chemin de l'humilité. Le chemin de la faiblesse. Le chemin de la honte. Le chemin de l'abnégation. C'est ça un chrétien. Les gens qui attendent le Seigneur. N'a aucun problème, il n'y a pas de conflit. Il accepte tout. Accordure tout, dit Seigneur. L'orgueil. Kiburi. L'orgueil. Kiburi. Et vous attendez Jésus. Dans ton cœur. Mumoyo wako. Quoi? Tu les as déjà haïs. Tu trompes qui? Nous allons devant un jugement. Même les sentiments du cœur seront jugés. Même les mauvaises pensées. N'ayez rien sur votre conscience. La sanctification, c'est maintenant. Utaka soni hapa sasa. Batoto sikizane nabo. Tu n'es pas en paix avec les enfants. Il y a même des faits qui sont des fous. Il est comme gonflé avec son beau-père. Et comme fitina na baba ke muko. Et sa belle-mère. Na mama ke muko. À quoi le temps qu'on a parlé? Il n'y a pas même des salutations. Mais tu vis avec sa fille. C'est ça. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu Et tu es un animal ou tu es un homme? Tu vis avec sa fille. Mais tu ne la salues pas. Tu passes comme ça. Comment est-ce que tu Quel genre d'homme es-tu? Ton beau-père, mais tu es avec sa fille. Quel genre d'homme es-tu? Même toi, sœur. Ta belle-mère, mais tu vis avec son fils. Et quel genre Et avec ça, tu attends Jésus. Je suis encore séduite. D'être séduite. Tu sais, mes dieux. Pour qu'on parle comment? Pour que vous puissiez entendre. Pour suivre la paix. Salama. Sois un peu avec tous les hommes. Oh, nous non, avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Comment il nous sera en Christ? Dieu est dada mon Christ. Tu es en train de tu injures les gens et tu es pagano 100%. Tu es comme pagano, tu es une païenne. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte, mes frères. Il y a une famille, il y avait des problèmes. Les gens ont réagi. Dans la famille là. Il ne venait plus à l'église. Il n'y avait personne qui avait parlé ou agi comme étant un chrétien. Je commence à le faire voir. Regardez. Où est la foi chrétienne? L'orgueil. Kiburi. M'a touché. Les insultes. J'ai tremblé. Ce sont les gens qui attendent Jésus et tendent dans cette vie. Non. Avec ce Saint-Esprit. Avec le Maïsha, vous ne l'aurez jamais, le Saint-Esprit. Vous ne l'aurez jamais. C'est un temps de sanctification. Quand Dieu parle, nous mettons en pratique. Soyez en paix avec tous les hommes. Arrangez ces choses-là. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Erez le cœur pur. Car ils verront Dieu. Regardez votre cœur. Regardez votre cœur. Quel est l'état de votre cœur? Il y a des gens qui aiment des problèmes. Ça fait partie de leur nature. Ils aiment ça. Mais nous avons des instructions.
Prenons Romains 12, 18. Ce sont des petites choses qui dérangent notre marche. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Laodicée a une maladie. Laodicée est une magonjoa. C'est la justification. Ah, c'est justifié. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Tout ça. C'est la maladie de Laodicée. Si un frère vient me voir, dit frère Kazadi, tu m'as scandalisé. Même si je ne vois pas ça. Comme le frère était choqué, j'endosse la chose. Laisse frère tout le rumier. Frère, pardonnez-moi. Non, frère. J'accepte la chose. J'accepte. Je vais être en paix. Même quelqu'un qui m'a fait du mal. Je peux venir. Je l'embrasse. Mais je ne peux pas attendre qu'il vienne pardonner. Romains 14, 17 à 19. Ce sont de petites choses. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ce royaume de Dieu. La justice, la paix, talama, la joie, fura, par le Saint-Esprit. Un joie en pombe. Celui qui sait que de cette manière est arrivé à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix. Si je réalise que cette affaire va créer des problèmes, je vais abandonner. Recherchons ce qui contribue à la paix. Tu as des démons. Tu détruis l'église Dieu vivant. C'est l'œuvre du Satan. Une sœur en Christ, en Suzanne. Dada, Mukrikatika Christo, vous ne vous entendez pas. Vous êtes en conflit avec moi. Maintenant, Bamudunia, ça, ça, ils sont. Comme je disais à un frère, je lui demande un service. Il a mangé, il a bouffé l'argent. Mais non, Mukrikatika, frère, si moi-même tombé, je vous en soigne. Oui, Mukrikatika, je vous donc, Mudunia, Nikirio. Tu fais les scandales. Il commence à rigoler. Si il peut faire avec moi. Il a bouffé l'argent. Dans le monde, c'est grave. Payez ma sœur en Grèce. Oh, c'est ça. Vous êtes en conflit avec des femmes. Maintenant, dans le monde, quel genre de femme es-tu?
Quand tu n'es pas en paix avec ta femme, même quand tu vas pécher, tu vas commencer à imaginer de mauvaises choses. Mais quand on est en paix, c'est une bonne chose. Mzuri. Et la sanctification. Na utakaso, nous vivons un temps sérieux. Tuna ishi, wakati wa shupo miza. Le racheté. Wenye kukombolewa. Sont exhortés banabaonya entrer dans une purification bingi mutakaso une sanctification na kujiosha ili kuleta na neno na roho wa Mungu. Et cela sur le fondement des promesses que Dieu leur a donné na ile yenye kwa pamsingi ile malako ile Mungu alileta et qu'ils croient na bapate kuamini. Il y a une parole de sanctification huku neno ya utakaso. Quand Dieu parle kati Mungu anasema, on doit obéir. On n'a pas chakouti. On tremble. On n'a pas chakouti temeka. Frère, Bandugu. Nous tremblons devant la parole de Dieu. Tuku la temeka mbele ya neno la Mungu. Et Dieu aime ça. Na Mungu anapenda vile. Le lavage par les eaux de la parole. Udio chakupitia maji ya neno. Nous venons ici. Tunakuja hapa. Dieu nous lave. Mungu anatuosha. Quand Dieu me montre. Qu'il y a une tâche ici, je dois enlever. La parole, c'est un miroir. Quand je plonge, je me regarde dans la parole de Dieu, je vois ce qui ne va pas avec moi. Mais tu lui touches. C'est pour que j'enlève. Vous êtes pur à cause de ce que vous avez entendu. Il n'y a pas de sanctification dans les mensonges. Branham est Dieu. On est en train de suivre votre âme. Est-ce que vous comprenez? Seule la vérité sanctifie. Quand quelqu'un écoute la vérité, il met en pratique, c'est sa sanctification. Et quand on marche dans cette voie, on débouche dans les scellements. Mais quand vous résistez, si vous résistez, vous n'irez nulle part. Ce sont des petites choses qui gâchent le raisin. Lubanga, kabwabo, matouche. Commérage, les insultes. Où chaque cause? Vous êtes une pourriture. Où chaque cause? Vous êtes déjà pourri. Ce qui sort, c'est ça l'état de ton cœur. Tu as un dépôt de choses sales. Uko na akiba ya bitu bya buchafu biozo. Matouche, on a ce qui est bien. Il fait que les insultes et tu te sens, tu es à l'aise. On quoi, loufou. Tu es candidat destiné à la mort. Où chrétien ou wapi? Quel genre de chrétien êtes-vous? Nous devons nous examiner. C'est un temps de purification. Ce message a deux étapes. On est sur une relation, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Il y a la séparation et la purification. Et le rétablissement de toutes choses. Première étape, Mounakouye, c'est très bien. Vous êtes venu. Maintenant, il y a l'éducation de la maison de Dieu. Comment on vit dans la maison de Dieu? Vous n'êtes pas dans les conflits, dans les insultes. Non, non, non. Non, 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 non. Paul dit, Paolo anasema, je vous offre moi le prisonnier à marcher d'une manière digne. Quand on a un frère, on ne marche pas d'une manière digne. C'est honteux. C'est honteux. Nous avons des instructions. Je peux oublier avec mon frère. Sabantu. En tant que des hommes. Mais je ne peux pas dormir. Avant le coucher, je viens de régler ma bouleche. Jésus peut venir n'importe quand. Jésus peut venir à Isouri. Et puis nous nous amusons. Qui vous dit que vous allez faire une semaine? Il y a des frères qui sont tués dans des accidents. Ashkuyue.
choses qu'il ne savait pas. Il y a un frère qui a été tenu sur la route du Likasi ici. Pourquoi on dit qu'on ne savait pas? Il ne savait pas qu'il devrait mourir. Tenez-vous prêt. Soyons prêts à tout moment. Il y a deux prédicateurs qui sont morts étant endormis en plein sommeil. Pendant la journée, en plein sommeil, ils sont morts comme ça. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Un chrétien, Christo, il comprend le temps. Attends, wakati, il voit ce qui importe. Toutes les choses bibitubiote qui m'empêchent d'atteindre le Saint-Esprit, je dois éliminer. Je dois sacrifier ça. Peu importe le plus que cela va m'écouter. Mais il ne tarie pas. Je vais tout payer. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous allons nous lever. Poursuivez la paix. Ne soyez pas conflictuel. Même au travail. C'est une mauvaise personne. C'est mauvais témoignage. Il est Enoch. Avant son enlèvement, il avait reçu un bon témoignage. Déjà, bien, il a contesté Bibiako. Ta femme, déjà, elle te conteste. Il y avait un frère, il n'est plus avec nous. Il dit, pasteur, j'ai un ministère. Oh, pasteur, nous avons c'est bien. C'est Dieu qui appelle. C'est entre toi et Dieu. Sa femme. Est venu vers moi. Pasteur, je vous dis, je te préviens. Celui-ci, je vous bâtis la chair. Le jour que vous voulez donner la chair, je vais quitter l'église. Angari. Écoutez ce qu'il a fait. J'ai gardé silence. Je veux par amour. Pour cette âme. Tu as une âme. Tu comprends toi-même? Donc la femme, sa femme, celui-ci, il mérite pas d'être prédicateur. Il vient avec moi. Regardez ce qu'il fait. Nous ne devons pas nous flatter. Il y a des gens qui vivent très mal ici. Nous sommes dans la vérité. Ça ne suffit pas. Chacun doit marcher dans la vérité. Oh, je prêche la vérité. C'est très bien. Mais vivez la vérité. Frère Branham parlant de frère Neville. Je crois, j'aime Neville. Il n'est pas un excellent prédicateur. Mais je l'aime. Parce que je sais que Neville vit ce qu'il prêche. C'est ça la vie chrétienne. Vivons la parole de Dieu. Soyons obéissants. On doit dans une purification, une sanctification. Ça se passe maintenant. C'est ça notre purgatoire. Ne soyez pas des catholiques du message. Quand on a koufoua, s'il meurt, on est dans un purgatoire. Dans un purgatoire. Quel mensonge. Udangani fukani. Purgez vos âmes maintenant. Vous affichez manaf si elle nous a passé ça. Ça se passe maintenant. Iku la franchika a passé ça. N'ayez rien sur votre conscience. Vous amis liés nous monsieur bon amambo mbaya. Et si nous marchons dans la sanctification, nous débouchons automatiquement dans le baptême du Saint-Esprit. Tout enda kumaliza mu baptizo rom takatifu. Dieu bénira un cœur honnête et sincère. Ce que forme digestant. Tu es honnête avec Dieu à ta mbariki. Mais Dieu parle, tu fais le contraire. Dieu parle, tu es têtu. Dieu parle, tu ne mets pas ça en pratique. Seigneur, bénis-moi.
La bénédiction baraka est liée à l'obéissant. Si tu es désobéissant, je peux prier pour toi. Frère, je ne prie pour toi. Et kaka prie pour toi. Tous les ministres. Dieu ne te bénira pas parce que nous ne sommes pas obéissants. Dieu est lié à sa parole. Mais si tu es obéissant, même si nous n'avons pas prié pour toi, Dieu est lié à sa parole. Il te bénira. Prenons Dieu au mot. Seigneur, j'ai obéi. Mais où est la bénédiction maintenant? Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il est sans honte. Quand vous priez, toi, tu ne fais qu'insulter les gens. Conflit d'occasion. Mais quand tu arrives sur la conscience, tu es léger. Tu as même foi dans ta prière. Vous-même, vous placez votre foi dans votre prière. C'est pourquoi, mes frères, Dieu nous aime. Nous avons la parole de la vérité que vous ne trouverez pas ailleurs. Il a mouta kuta fashi fashi ngine. Soyez obéissant. Tout est tout actif. Commencez par les petites choses. Quandzie pour mettre couture tu m'habites tout loco tout loco. Comme on disait. Tu prends la main sema. Comment est-ce que je peux vous apprendre l'algèbre? J'ai mis les yeux sur mes algèbre. Si vous ne savez pas votre ABC. J'ai mis les yeux sur mes fondus à mon bangou. Vous comme où tu m'habites tout loco tu as mouta joué. ABC. Et la traduit en anglais. Ali teuza mu kingereza. Always believe Christ. Toujours croire en Christ. Na pasha kumwamini paka Kristo. Et la vraie foi. Na imani ya kweli. Marche avec l'obéissance. Inakaka mkutembea na utiifu. Quiconque n'obéit pas. Yoyote la shiti. Ashamini. Il ne croit pas. Ibuna lande munyewe. Il se trompe lui-même. Na shita ana mpita. Il Satan le dépasse. La foi des démons. Les démons croient et tremblent. Tu vas raconter les démons. Mais ils te dépassent. Ils croient et ils tremblent même. Ils te dépassent. Mais la foi vivante marche avec l'obéissance. Et ça vous met en relation avec Dieu. Avec la même langue, tu insultes les gens. Avec la même langue, tu bénis Dieu. Une même source. L'eau douce. Et l'eau amère. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel et accompagnée de grâce. C'est ça un chrétien. Quelles que soient les circonstances. On peut même l'insulter. On veut l'insulter. Il est calme. Quand il se met à parler, ce sont des paroles de grâce. Et même celui qui l'insulte, il aura honte. Comment est-ce qu'on peut agir avec préméditation? Bintu bia kwoza. Si on n'est pas au village, nous sommes des chrétiens. Quand nous parlons, c'est avec respect. Avec dignité. Il y a des choses que je dois dire, je suis un chrétien. Les choses sales, je suis un. Quand le Saint-Esprit vient, c'est l'Esprit de Dieu. Roi Mungu. Ça doit vous contrôler. Mais toi, tu es insaisissable. Incontrôlable. Indéré à Shétan. Vous pouvez continuer avec le diable. Mais ceux qui sont obéissants, ils vont faire des expériences avec Dieu. Ça se passe pendant la prédication. On saisit Dieu au mot. Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai donné toute ma vie à toi. Tu connais ça? Si je bronche,
Ce n'est pas volontairement. Aide-moi. Dieu bénira un cœur honnête. Et sincère. On peut entendre un cantique. Et nous allons prier.